Dans l'œil du public, la princesse de Galles, Kate Middleton, se distingue par une approche maternelle unique. Ses gestes subtils pour guider et discipliner ses enfants lors des événements royaux révèlent une harmonie entre la rigueur et la tendresse. Qui est cette mère royale en public, et comment ses techniques parentales suscitent-elles admiration et intérêt? Afin de guider ses enfants lors de leur sortie publique, Kate Middleton a mis en place des gestes subtils. Les experts en langage corporel s'accordent à dire que la princesse de Galles a une approche innovante en termes de parentalité. Kate Middleton, épouse du prince William et mère de trois enfants, est une figure emblématique de la famille royale britannique. Connue pour son élégance et son engagement envers ses responsabilités royales, elle joue également un rôle crucial dans l'éducation de ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, comme l'explique The Mirror. Cette tâche, bien que commune à tous les parents, prend une dimension exceptionnelle lorsqu'elle est réalisée sous les yeux du monde entier. Et la duchesse de Cambridge parvient à gérer le comportement de ses enfants en public avec une subtilité et une efficacité remarquables, établissant ainsi un modèle de parentalité sous les projecteurs. L'équilibre entre la vie publique et privée est un défi constant pour les membres de la famille royale, et cela est d'autant plus vrai pour Kate, qui doit naviguer entre son rôle de mère et celui de figure publique. Ses interactions avec ses enfants lors d'événements officiels sont souvent sous le feu des caméras, et la manière dont elle gère ces moments est scrutée et commentée par les médias et le public. Cependant, loin de se laisser intimider par cette surveillance constante, Kate a développé une série de techniques et de signaux subtils pour communiquer avec ses enfants, assurant ainsi leur bon comportement tout en respectant leur individualité et leurs besoins d'exploration. Kate Middleton, une maîtrise subtile de la parentalité. Le rôle de Kate en tant que mère dans la famille royale implique une responsabilité unique, élever ses enfants sous les yeux du public. Les moments capturés par les caméras révèlent une série de gestes subtils et efficaces utilisés par la duchesse pour guider ses enfants. Lors d'événements officiels, elle communique avec eux à travers des signaux discrets, assurant ainsi leur bon comportement tout en leur permettant d'exprimer leur personnalité. Un exemple frappant a été observé lors de la cérémonie de Trooping the Colour, où Kate a démontré sa capacité à gérer le comportement parfois espiègle de ses enfants, en particulier le jeune prince Louis. Des experts en langage corporel ont analysé ses interactions, notant la manière dont elle utilise des gestes discrets, mais fermes pour transmettre ses attentes. Cette approche équilibrée permet à ses enfants de participer pleinement aux événements tout en respectant les normes comportementales attendues dans leur position. En plus de son rôle de guide, Kate encourage également l'indépendance et la confiance en soi chez ses enfants. Elle leur permet d'explorer et d'interagir avec leur environnement, tout en veillant à ce qu'ils restent dans les limites du respect et de l'étiquette. Cette méthode de parentalité, à la fois aimante et structurée, a gagné l'admiration non seulement du public, mais aussi des experts en éducation et en comportement enfantin. La duchesse de Cambridge montre qu'il est possible de conjuguer les responsabilités d'une mère et les exigences d'une figure publique avec grâce et efficacité. Ces techniques de parentalité, bien que réalisées sous le feu des projecteurs, offrent des leçons précieuses pour tous les parents, mettant en lumière l'importance de la communication non verbale et de l'équilibre entre discipline et liberté dans l'éducation des enfants. Just need